c'est l'aventure qui continue. Hein. De 10 explorateurs, on est passé à 20. De 1000 spectateurs, on va passer à 2000. Non, on est en plein boom, là. L'Éden vit ses heures d'exploration à fond, à fond. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un très bon festival. J'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez plein de choses en vous amusant. C'est vraiment une fête chaque année pour le festival. De les voir revenir avec leurs nouvelles aventures, leurs nouveaux reportages, leurs films, leurs bouquins. Et on n'a pas envie de louper une si belle bagarre, comme disait Davy Croquette à Alamon. Je trouve que le festival est en train de prendre ses marques et qu'il y a de bonnes chances qu'il grandisse. Ayant assisté au premier, j'ai bloqué la date un an à l'avance, donc je suis là avec plaisir. Voilà, il y a plein de films à voir, il y a aussi plein de copains à voir. Mon grand-père était aviateur, il était pendant la Première Guerre mondiale, donc un tout petit peu plus âgé qu'Antoine de Saint-Exupéry, c'était un de ses camarades. Je méditais sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu entre le sable et les étoiles. Effectivement, c'était un peu secrètement que je nourrissais d'ajouter ce projet de la tombe de Gengis Khan. Et je craignais que ma vie se termine avant de l'avoir réalisée. Après avoir soumis une à une les différentes tribus nomades, Temujin est proclamé Gengis Khan. La poussière, non plus de notre galaxie, mais de toutes les autres galaxies. Performance qui lui permit de vivre au plus près de la faune sauvage de la passe, avec une proximité rarement égalée. Ces poissons sont inféodés à des arrivées permanentes de plus petits organismes par le courant. Et voilà, le seul endroit dans les toits Motu où il y a du courant, c'est dans les passes. Le but du jeu du handicap ou de la maladie, c'est d'en faire quelque chose. Et puis, tu fais ton max, quoi. Moi, j'ai retenu qu'il ne faut pas abandonner de ce qu'on veut faire. Il ne faut pas abandonner, il faut avoir un but. Et je crois que ce but, c'est aussi un but de partage, c'est-à-dire si on peut aider les autres. Logisticien, caméraman, cadreur, qui permet de faire toute une partie de ces images et puis de pouvoir mettre en place les études. J'étais passionné du début jusqu'à la fin, ce qui est assez rare en fait, parce que la qualité était là, tout était là, la passion était là, les films sont super bien montés. J'ai beaucoup aimé. Laissez-moi vous dire que vous êtes, vous, les explorateurs et leurs amis, indispensables. Parce que vous rendez sensible, c'est-à-dire accessible à nos sens et à notre savoir, les frontières de ce monde. On connaît bien cet homme puisqu'on l'a fréquenté pendant... presque 30 ans, oui, facilement, ouais. 30 ans, on l'a connu tout petit. Hein. Évidemment, l'aventure et surtout l'exploration scientifique, c'est devenu sa passion. Et là, c'est pour ça qu'il souhaitait être ici pour nous soutenir. Humour. Déjà dans ma tête une petite sélection de films qui m'ont beaucoup plu. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a des trucs qui partagent à la fois l'aventure humaine, l'aventure scientifique. Je vais plus m'attacher au côté artistique puisque toute l'année effectivement je monte beaucoup de films depuis des années, beaucoup de films scientifiques, d'exploration. Non seulement on est d'un niveau international mais je pense qu'on sera encore plus performant dans les années à venir. Il nous fallait pour ce premier jury en fait et ses premiers prix être particulièrement rigoureux et sérieux. On va remettre ce grand prix à Rosetta, un film magnifique. Dans la nuit, l'ordre de largage a été confirmé. C'est le prix
pour les Robinson de l'île inconnue en Patagonie. Sur la tombe de Gengis Khan, qu'a fait Pierre-Henri Viscard.